Bonjour à tous, je vous emmène en rando VTT à Flins-les-Arches pour son brevet. Donc c'est une rando de 50 km. Alors, j'ai pris la distance de 50 km, hein, ça va jusque 70. Il y a quelques beaux terrils. Donc on est à la mi-septembre. La météo est bonne aujourd'hui. Il doit faire à peu près 14 degrés. Il est à peu près 8 heures. Le terrain est un peu mouillé parce qu'il a plu ces derniers jours. Donc c'est certainement un peu glissant sur certains terrils. Donc il faudra faire un petit peu attention. Mais normalement on a du soleil sur la rando avec un petit peu de brouillard pour l'instant qui est en train de se lever. Voilà, donc c'est une rando où il y a beaucoup de monde. Moi mon objectif du jour c'est de faire un peu de sportivité. Je tiens la distance, il fait bien frais. C'est d'avoir une moyenne un petit peu plus élevée que d'habitude. Et après bah, le secteur c'est surtout un peu terril de la campagne. Je pense qu'il ne doit pas avoir trop de dénivelé. Donc on va découvrir ça. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit une excellente rando. Voilà, c'est parti. Ici on est sur le single du Rose Varanda. C'est la troisième fois que je le fais en trois semaines. Une fois avec la rando de l'Alain, une fois avec la rando de Rose Varanda, et maintenant avec celle de Flins-les-Arches, les Renards des Sables. Allez, on continue. Nous arrivons sur le deuxième terril, le terril de l'Alain, un terril magnifique, pas trop technique, parfois il y a un peu de végétation. Allez, c'est parti! Cette rando VTT se termine. Je partais en me disant je vais essayer d'avoir une moyenne un peu plus élevée que d'habitude. Je pensais que ça allait être un peu plat, ça allait manquer un peu de dénivelé, mais en fait il y a beaucoup de terrils. C'est assez technique, plus engagé que je pensais. J'ai un peu laissé tomber l'objectif de la moyenne
et puis en plus le sol commence à être gras, donc forcément ça casse un peu la vitesse. Donc j'ai eu énormément de plaisir. Franchement, je vous recommande cette rando. Si vous avez l'occasion l'année prochaine, elle est vraiment très bien organisée, le parcours est vraiment exceptionnel. La seule petite chose que je pourrais conseiller aux organisateurs, c'est de nous fournir la trace. Le parcours est très compliqué à certains endroits. Avoir la trace GPS, ça permet de se rassurer et d'être sûr d'avoir fait la totalité du parcours. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, roulez bien et portez-vous bien. Salut !